dans la mesure où il n'accepte pas qu'à Moutsamoudou, il y ait 21 chefs du village. Alors que dans les autres communes, comme à Komoni, ils en ont 19. Et à Moroni, ils en ont 45. Mais en 2015, on a voté avec cette chef de village. Non, mais on n'est plus en 2015, voyons, on est en 2020. Vous croyez que ce qui s'est passé en 2015, on va le traîner jusqu'en 2050? Il y a des évolutions, bordel. Je suis désolé, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de stagnation au niveau de la nomination des chefs de quartier. Il n'y a pas non plus de stagnation au niveau des prises de décision au niveau du ministère. Alors, les autres candidats qualifient que vous êtes hors la loi par rapport aux chefs de village de Chikoni. C'est eux qui sont hors la loi. Parce que les arrêtés qui ont été signés par le ministre sont passés d'abord, à Beit Salam, ce qui réclame là, le SGG, et ensuite envoyé aux finances. Donc, les trois tampons sont là. Celui du ministère, celui de SGG et celui du ministère des Finances. Donc, c'est qu'il y a une grande méconnaissance en matière donc administrative. Ok, merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout arrêté ministériel, la zone a visé na SGG, le gouvernement. Ta amo fanya voyage. Arrêté a visé nulle part. Monsieur Metsali.